Je souhaitais apporter ici quelques éclaircissements. En effet, le sujet est connu de beaucoup de monde, mais peut être ignoré de certains et il vaut la peine de vous réexpliquer le contexte dans lequel ce club a été créé, son objectif et quelques informations complémentaires. C'est pourquoi je vous propose ce podcast en attendant la publication de ma vidéo. Nous pouvons voir sur le site bilderbergmeeting.org, qui est créé par eux-mêmes, que cette société a été inaugurée en 1954. Lors de la première réunion, il y avait des dialogues prévus entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Depuis, chaque année, environ 130 dirigeants et experts de l'industrie, du domaine de la finance, du monde universitaire, du travail, des médias, sont invités à participer à des réunions. Les deux tiers des participants proviennent d'Europe, le reste provient d'Amérique du Nord. Un tiers de la politique et du gouvernement, et le reste d'autres domaines. La réunion est un forum de discussion informelle sur les questions majeures. Les réunions se déroulent selon la règle de Chatham House, qui stipule que les participants sont libres d'utiliser les informations reçues, mais que ni l'identité ni l'affiliation du ou des intervenants, ni de tout autre participant ne peuvent être révélées. Grâce au caractère privé de la réunion, les participants participent à titre individuel plutôt qu'à titre officiel et ne sont donc pas liés par les conventions de leurs fonctions ni par des positions convenues à l'avance. Ainsi, ils peuvent prendre le temps d'écouter, de réfléchir et de recueillir des informations. Il n'y a pas d'ordre du jour détaillé. Aucune résolution n'est proposée, aucun vote n'est effectué et aucune déclaration politique n'est publiée. La 69e réunion du Bilderberg a eu lieu du 18 au 21 mai 2023 au Portugal, à Lisbonne. Un communiqué de presse comprenant la liste des sujets et des participants a été édité. Nous apprenons donc, lors de cette participation, qu'ont été évoqués l'intelligence artificielle, le système bancaire, la Chine, la transition énergétique, l'Europe, les défis fiscaux, l'Inde, la politique industrielle et commerciale, l'OTAN, la Russie, les menaces transnationales, l'Ukraine et la direction américaine. Je présume ici que les sujets qui ont été abordés l'ont été de manière informelle, comme il est précisé dans ce que je viens de vous dire, qui est publié, je le rappelle, sur le site même de bilderberg.org. Néanmoins, compte tenu de l'importance des sujets et du caractère très confidentiel des échanges qui sont menés lors de cette réunion annuelle, de nombreuses thèses, plus ou moins conspirationnistes, ont pu voir le jour. Vous vous en doutez, conspirationniste ici peut être interprété de la manière que vous souhaiterez. Néanmoins, nos élites, les grands penseurs de ce monde, laissent planer le doute de par cette confidentialité poussée à l'extrême.
Avant de vous donner le nom de quelques protagonistes qui étaient présents cette année lors de la réunion qui a eu lieu à Lisbonne, laissez-moi vous expliquer l'organisation de ce club fermé. Car en effet, il y a bien une organisation. Celle-ci est composée d'une trentaine de membres qui forment un comité. Ce comité est quant à lui dirigé par un Français. Ce Français, vous en avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit de Henri de Castries. Il dirige le comité depuis 2011. Ce qu'il faut savoir, et ce que nous apprenons lorsque nous nous renseignons à travers diverses sources d'informations, c'est que le comité directeur va sélectionner les participants. Et en ce domaine, si vous êtes sélectionné, vous pouvez vous considérer comme quelqu'un de très important. D'ailleurs, en général, nombreux participants ont par la suite été élus présidents. Nous pouvons citer Margaret Thatcher, nous pouvons citer Emmanuel Macron, Bill Clinton, Nicolas Sarkozy, Donald Trump, qui n'ont jamais été invités, mais qui pourtant auront bien entendu leur place au niveau des gouvernements mondiaux. Le club est plutôt libéral. Il faut savoir que les sociodémocrates sont quand même les bienvenus. En effet, par exemple, Dominique Strauss-Kahn ou Michel Rocard ainsi que Laurent Fabius font partie des invités. On constate qu'il y a donc des gens de tous bords. Le but étant d'augmenter la diversité. En effet, Henri de Castries souhaite pouvoir féminiser la réunion et également rajeunir ses membres. C'est une sélection très scrupuleuse des participants, explique-t-il. Il reconnaît trier les gens sur le volet. Des gens qui ont une pensée et capables en outre d'écouter les autres pendant 3 jours d'affilée. On a intérêt à avoir quelque chose à dire et parler un excellent anglais, sinon on n'est plus invité, confirme une sélectionnée. De toute façon, on n'y est invité jamais plus de 2 ou 3 fois. Ça tourne, explique Thierry de Montbrial. L'idée ici de ce club est de donc pouvoir parler d'une gouvernance. À l'intérieur de ces cénacles, toutes les sensibilités sont représentées. Les échanges pouvant être vifs, il faut savoir parfois mettre de l'eau dans son vin et rester sur la réserve, puisque notamment la guerre peut être abordée comme à l'époque la guerre d'Irak qui avait donné lieu, semble-t-il, à des échanges très vifs, mais cette année certainement, il en a été de même puisque la Russie et l'Ukraine ont été abordées. Certains parlent d'une thèse complotiste concernant le Bilderberg. Et bien évidemment, ceux-ci sont totalement opposés à cette version. Un habitué du club dira « Il faut arrêter de fantasmer sur le Bilderberg. Il fonctionne comme tous les think tanks britanniques » ou les conférences qui adoptent la règle de Chatham House, un code éthique historique de la diplomatie britannique qui interdit de rendre publiques les identités et les propos des invités. Il y a d'autres conférences qui existent et qui sont relativement secrètes, mais beaucoup moins célèbres, notamment le Ditchley Foundation. Et elle a été créée également en 1950. Elle se réunit un peu plus souvent d'ailleurs que le Bilderberg, puisque c'est une dizaine de fois par an, depuis 1958, que les membres se rejoignent. Et l'idée ici est plutôt orientée sur les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le Bilderberg fait rêver et le Bilderberg inquiète. Et c'est ainsi qu'on a pu voir un certain changement, après avoir été très discret. Eh bien, le club, avec son président, a accepté de pouvoir publier un site internet sur lequel il communique des invités et des thèmes 48 heures avant l'ouverture annuelle de la réunion. Mais nous n'en saurons pas plus, car comme le dit le dicton, ce qui se dit au Bilderberg reste au Bilderberg. Personne n'a le droit d'en savoir davantage que ce qui est communiqué au travers de leur site. Voici la liste des participants français au Bilderberg de cette année. Le premier nom
peut ne pas plaire à tout le monde puisqu'il est relativement polémique en France. Il s'agit de Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Patricia Barbizet, ancienne présidente du siècle, présidente et actionnaire de la société d'investissement Temaris et Associés. Valérie Baudson, PDG d'Amundi. Clément Beaune, ministre des Transports. Thomas Bubler, PDG d'AXA. Henri de Castries, comme je vous le disais, président de l'Institut Montaigne. Bernard Aimier, patron de la DGSE. Antoine Gosset-Grainville, de chez AXA. Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre. Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie. Et ici, il ne s'agit que des noms français. Car à l'étranger également, eh bien, les pays sont représentés par d'importants partenaires. En effet, que l'on regarde, peu importe sur quel pays, chaque personne qui est présente est une personne réellement influente. Je vais vous en citer quelques noms. Nous avons ici, en 2023, qui a été invité, le vice-président de la Commission européenne, Giuseppe Borrell. Le président et PDG de Pfizer Inc., Albert Bourla. Le président du Forum économique mondial, le Norvégien Bård Brende. Et j'en passe, puisque nous pouvons également voir qu'il y a même au niveau donc italien, le commandant suprême allié de l'Europe, Christopher Cavoli. Il y a aussi, sorti de ses métiers de protection, la conseillère principale pour la Chine du département du commerce des États-Unis, Elisabeth. Nous avons le président du groupe Ottava, Henrik Enroth, de Finlande. Il y avait également, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau de la France, nous avions évidemment Monsieur Aimier qui est présent. Et il n'y a pas de pays qui n'ont pas de représentants pour tout ce qui est forces armées. Hein. Chacun est représenté. Il y a également des ministres et premiers ministres de plusieurs pays, des présidents de partis, notamment pour l'Espagne, pour le Parti populaire, des professeurs d'économie de Turquie, des États-Unis. Nous pouvons voir la présidente de la Commission des affaires européennes, le président, pardon, qui est Anton Hofreiter. Voilà, de très beaux noms qui ont quand même tous des responsabilités très importantes et qui n'ont a priori pas de temps à perdre pour se réunir dans des palabres qui n'auraient vraiment aucun objectif. En tout cas, ce que je viens de vous évoquer comme nom est vraiment pas exhaustif et vous pourrez les retrouver sur le site de bilderberg.org. C'est le meeting avec la liste des noms qui est complètement publique et qui peut être consultée par tous ceux qui le veulent. Je vais vous parler du club Bilderberg dans un autre aspect qui n'a pas encore été abordé ici. C'est plutôt au niveau de son organisation dans l'aspect concret. Au niveau du financement de ce club, par exemple, eh bien, il s'avère que le club se finance lui-même, par le biais de mécénat éventuellement. Je vais vous parler de la partie historique de ce club et puis de son évolution, afin que vous compreniez que le rôle de celui-ci, qui devrait être juste de parlementer autour de sujets d'actualité, eh bien, dépasse légèrement ses fonctions, si l'on en croit certains médias. Pourquoi ce club attire-t-il l'intérêt de beaucoup de médias et surtout de personnes qui sont considérées comme complotistes ? Eh bien, pour une raison très simple. Il suffit d'observer l'évolution des carrières des personnes qui ont été présentes lors
de ces invitations. En effet, sept futurs ou anciens premiers ministres français s'y sont rendus. Laurent Fabius, Alain Juppé, Michel Rocard, Dominique de Villepin, François Fillon, Manuel Valls et Édouard Philippe. Quant au reste, on peut considérer qu'ils viennent du FMI ou de la Banque mondiale. Par exemple, DSK, Christine Lagarde, qui y sont allés à de nombreuses reprises, mais aussi des banquiers, comme je vous l'ai dit, et d'un point de vue économique, Bill Gates. Il a participé à la réunion en 2010 et cela n'a jamais été vraiment confirmé. On peut donc retrouver un cocktail impressionnant d'intellectuels et de millionnaires. On peut également trouver des militaires, des espions et éventuellement des journalistes, comme la directrice du Monde de l'époque, Nathalie Nougayred. Étienne Garnel, l'ancien directeur du Point, et d'autres personnes. En effet, François Langlais, monsieur économie de RTL, s'est rendu lui aussi et a été invité. Il ne fera aucun commentaire par peur de trahir le code de Chatham, qui interdit de dire ce qui a été échangé lors de cette réunion. Ce que nous savons, c'est que pendant les 3 jours que dure cette réunion du club Bilderberg, les invités ne sont pas placés, mais ils sont installés par ordre alphabétique, quelle que soit leur fonction ou leur puissance. Il n'y a vraiment pas de protocole, semble-t-il. Et les hôtels présélectionnés sont évidemment des hôtels de luxe. Je m'interroge sur le système de sécurité qui est mis en place et sur le coût que celui-ci peut engendrer. Je n'ai pas trouvé d'informations pour le moment à ce sujet, mais si tel était le cas, je reviendrai dessus. Nous savons que la CIA est très importante dans cette organisation. En effet, ils font partie des personnes qui sont influentes dans le monde entier. Et c'est pour cela que cette association a choisi la CIA comme marraine. D'autant plus, je vous le rappelle, au départ, cette société a été créée en pleine période de la guerre froide. Donc il y avait des tensions avec les soviétiques de l'époque, avec des scénarios possibles de guerre nucléaire mondiale, d'où l'insertion de la CIA. Et puis, celle-ci est restée. Mais ce n'est pas tout. En effet, il y a eu également un certain baron Edmond de Rothschild. Et puis, il y a eu également Kissinger, Rockefeller. Nous avons donc des personnes hautement puissantes. Un bon nombre de noms très connus. Et nous avons également des personnes qui représentent des papes, si j'ose dire, du pouvoir mondial. Ce qu'il faut savoir, c'est que des personnalités publiques très célèbres et des présidents n'ont jamais été invités par le groupe et n'ont même pas été approchés pour le faire. Je vais parler par exemple du président Giscard, de Mitterrand, mais également de Chirac et de Sarkozy. Et ceci a été justifié par Montbrial qui a dit « On ne les imagine pas assis pendant 3 jours. Nous avons toujours choisi des personnalités qui avaient un intérêt pour une réflexion approfondie,
capable d'écoute et d'empathie pour les raisonnements des autres. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier, à gauche, que Thierry de Montbrial n'a pas hésité à inviter des personnalités qu'il avait jugées plus compatibles, comme Laurent Fabius et Michel Rocard. Rocard, on avait effectivement du mal à le comprendre, admet Montbrial, qui a reconnu que le choix de ses invités répondait à une certaine proximité d'idées. Il faut un public homogène, que nous ayons tous des codes en commun. Il s'occupait également de trouver des fonds pour financer les réunions, glisse Montbrial. C'est intéressant, puisque malgré tout, une certaine discrétion est demandée et que nous arrivons à avoir quelques informations telles que celles-ci qui arrivent à fuiter. Alors pourquoi tant de complotistes sont intéressés par ce club? Eh bien, à cause du secret qui l'entoure. En effet, le fait de devoir imaginer tout ce qui peut s'y passer et imaginer les personnes qui y sont présentes, eh bien, cela incite au fantasme et à l'imaginaire. Henri de Castries défend toujours la confidentialité et il indique que c'est la règle du jeu. Tout n'a pas besoin d'être dit sur tout et partout. Malheureusement, ce propos peut renforcer la méfiance des gens à leur égard. La règle de Chatham permet des interventions sans langue de bois, admet Tertreis.
En effet, ce code de Chatham permet à ce que personne ne puisse jamais évoquer ce qui a pu être dit lors des réunions. Afin de pouvoir faire taire les rumeurs, la commission trilatérale a expliqué dans une coopération politique et économique les trois zones clés qui pouvaient être intégrées à l'intérieur du Bilderberg. L'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et maintenant l'Asie Pacifique. Le Bilderberg veut vraiment montrer son changement et son ouverture. Depuis 2013, on voit même que la conférence est éditée sur, alors pas la conférence en entier, hein, mais publie la liste des invités et les thèmes sur le propre site. Ainsi, je pense que la volonté du Bilderberg serait de pouvoir éteindre les complots qui peuvent être traités sur les réseaux ou sur d'autres plateformes et de faire taire ceci.
J'espère avoir pu vous apporter quelques informations intéressantes et je vais vous laisser prochainement découvrir la vidéo qui va traiter d'un tirage au sujet de ce club très fermé. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt pour cette vidéo de tirage.